La Chine a alloué 200 millions de yuans, soit environ 28 millions de dollars, à l'aide aux sinistrés et à la restauration des provinces touchées par les inondations. D'autre part, les opérations destinées à colmater la rupture d'une digue sont en cours dans le Hunan, dans le centre de la Chine. Les sauveteurs ont travaillé au renforcement d'un talus situé à environ 2 km de la digue rompue du lac Dongting, afin d'assurer la sécurité des villages situés en aval. De l'aide a été distribuée aux citoyens relogés tandis que les opérations de secours se poursuivent. Selon les autorités, la brèche de 226 mètres devrait être colmatée d'ici mardi midi.